I am a soldier in the battlefield, waiting for my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Who is calling my name? Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier in the battlefield. Wonder, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Bonne année. I am a soldier in the battlefield. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Oh, who is calling my name? Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier in the battlefield, waiting my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Désolé pour le retard, vaut mieux tard que jamais. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci Seigneur parce que tu es bon, que ton nom soit glorifié. Voilà, Père, merci pour ta faveur, merci pour ce moment exclusif. Nous nous recommandons à toi. Seigneur, merci pour cette nouvelle année. Nous te bénissons parce que personne n'est semblable à toi. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimé, je voulais tout simplement dire merci au Seigneur pour sa fidélité, pour son amour au milieu de nous, pour tout ce que le Seigneur a accompli en 2023 et pour cette nouvelle année qu'il nous donne. Vous savez, nous sommes entrés en 2024 et l'Exodus Night, nous l'avons passé ici à Paris et la fidélité de Dieu a été manifestée. Ouais, Dieu a fait des choses extraordinaires pendant cet Exodus Night. Parfois, les œuvres de Dieu sont si merveilleuses que l'accoutumance à elles nous amène parfois à ne pas considérer la grandeur de cette œuvre-là. On a fini Sephora qui dit merci infiniment, papa, pour la veillée et la conférence des partenaires. J'étais présente. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, on n'a pas pu prendre tous les témoignages. Donc, pour moi, ça a été un grand privilège de passer ce moment avec les frères d'ici. Ça aussi était pour moi une grande expérience. C'était une grande première. Et je n'ai pas été déçu. J'ai compris encore pourquoi la main de Dieu avait voulu que je sois ici. Et comme je l'ai dit, j'étais ici là par un miracle, c'est par la grâce de Dieu. Sa fidélité est un bouclier. Et le Seigneur nous a amenés jusqu'ici pour marquer sa génération, marquer la nation française. Et il y a eu tellement de guérisons qu'à un certain moment, j'ai remarqué que
les gardiens de la salle, les propriétaires de la salle sont descendus. Il y a l'un d'eux qui est venu parce que certainement il voulait présenter un cas lui aussi, il voulait présenter un problème, un peu comme pour dire moi aussi, voici mon problème. Parce qu'il était au fond de la salle. Donc il a vu les choses se passer et il s'est avancé. Il était à quelques mètres de moi. Bon, mais comme j'étais tellement occupé, je l'ai vu. Après, j'ai oublié encore. Et on m'a expliqué qu'ils ont beaucoup parlé de toutes les choses merveilleuses et magnifiques que le Seigneur a faites au milieu de nous. J'étais en train de causer avec mon frère Chama, l'apôtre évangéliste J.P. Makanzo. On tente de causer par rapport au programme de Dieu pour nos vies. Et je lui ai dit que je suis arrivé à l'Exodus Night. Quand je suis arrivé, on parlait du ministère prophétique en fait et de la main de Dieu dans chaque rassemblement, la main de Dieu dans chaque rencontre. Et je lui ai expliqué que quand je suis allé à l'Exodus Night ici, dans mon esprit, je voyais ça comme une nuit prophétique, une nuit de haute tension prophétique, une nuit où j'irai de prophétie en prophétie. Pour moi, c'est comme ça que j'avais vu la nuit. Mais quand je suis arrivé, quoique j'ai donné des paroles de connaissance à certaines personnes, le Seigneur m'a dit guéris mon peuple plutôt. Le Saint-Esprit m'a dirigé dans le miraculeux, dans la guérison et le miraculeux. Parce que les gens avaient besoin de la santé pour 2024. Il fallait que les fondations des maladies soient vaincues et déraciné dans la vie de tout un chacun. Donc, et puis je lui expliquais que certains hommes de Dieu dans notre génération n'ont pas compris que les cultes que nous organisons sont dirigés ou doivent être dirigés par le Saint-Esprit en fait. Ce n'est pas par nous-mêmes ou bien on ne fait pas un programme soi-même pour décider après dire ok, j'ai décidé, moi je décide quand je vais aller, voilà ce que je vais faire. Je vais faire telle chose, je vais faire telle chose et je vais faire telle chose. Non. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est Dieu qui dirige toute l'atmosphère. Ça veut dire qu'avant qu'une rencontre n'ait lieu, Dieu a déjà tout réservé. Donc quand je suis arrivé, le Seigneur m'a orienté plus dans la prière. Et je lui ai expliqué que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas compris cela. Ça demande la maturité spirituelle. Il y a des hommes de Dieu qui, quand ils arrivent dans un programme, ils veulent absolument faire ce qu'eux, ils veulent faire. Ils ne se soucient pas de savoir quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu a décidé, qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple, quel est le besoin du peuple. Parce que, en fait, c'est Dieu qui connaît le besoin du peuple. Nous, on est là juste pour répondre à ce besoin, être des instruments de bénédiction pour atteindre les besoins du peuple de Dieu. Donc, je pense que beaucoup de gens étaient souffrants. Beaucoup avaient ces problèmes de maladie-là. Et je lui expliquais qu'un homme de Dieu qui n'est pas mature, lorsqu'il arrive dans des programmes comme ceux-là, il voudra tellement éblouir les gens, peut-être avec le prophétique comme moi. Je suis un prophète et j'ai une passion folle pour le prophétique. J'ai un don de prophétie extraordinaire. Et par la grâce du Seigneur pour sa gloire, bien sûr. Et donc, quand vous arrivez, vous êtes prophète, vous dites, ok, vraiment, moi, aujourd'hui, là, je suis préparé pour prophétiser. Et vous arrivez pour prophétiser, Dieu vous dit, ah non, mon ami, aujourd'hui c'est pas ça d'abord. Priorité sur la santé de mon peuple. Et vous êtes prophète, c'est l'obéissance aussi qui vous caractérise en fait. Et vous n'allez pas ouvrir la bouche et parler où Dieu n'a pas parlé. Je disais à mon frère qu'en fait, beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans l'esprit de l'erreur. Dans l'esprit de l'erreur, pourquoi? Parce que ils veulent tellement éblouir les gens que parfois ils parlent où Dieu n'a pas dit de parler. Et ça apporte la confusion en fait. Tu vas annoncer les choses et les choses ne vont pas arriver. Pourquoi? Parce que tu as parlé quand la bouche de Dieu était fermée. Je lui ai dit que j'ai appris à obéir au Saint-Esprit. Et nous avons vu des guérisons redoutables, redoutables. Et on n'a pas pris tous les témoignages. Beaucoup ne se sont pas levés pour venir témoigner et d'autres encore vont découvrir que leurs maladies sont parties. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'ici en Europe, l'Église a besoin des signes, d'un ministère de puissance, de démonstration d'esprit et de vérité. Les gens étaient fatigués de transporter certaines maladies avec eux. Maintenant, il faut savoir que le don de guérison se manifeste en trois temps. Il y a la guérison instantanée,
la guérison à moyen terme et la guérison à long terme. Donc, venez à une rencontre et puis on prie, vous n'êtes pas guéri, ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas guéri. Peut-être que c'est une guérison à moyen terme. Après quelques jours à la maison, vous vous rendez compte que la maladie est partie et puis parfois ça prend du temps et la maladie disparaît finalement. Mais quel qu'en soit le cas, on a vu Dieu confondre la sagesse des médecins hier, avant-hier, lors de l'Exodus Night ici. Je pense que ça a été une nuit de rencontre avec plusieurs. La main de Dieu s'est manifestée redoutablement. Et j'ai vu Dieu faire du bien à son peuple. J'ai vu Dieu faire du bien à son peuple. On a eu tellement de témoignages. Ici, je pense qu'on a le témoignage d'une dame. Il y a cette dame-ci. Elle avait une maladie. La dame avait une maladie. Elle est venue. Oh, Seigneur. Seigneur, nous voulons juste te témoigner, te disons merci pour ton amour. Donc, cette femme avait une maladie, je pense que c'était, elle a dit quoi là, le nom, je ne m'en souviens plus, mais c'est une maladie, la colonne vertébrale, comme ça là. Elle dit sa colonne vertébrale était, je sais pas, gâtée complètement. Et donc, on l'a déclarée inapte à l'hôpital. Donc, elle ne travaille plus, ça fait quelque temps. Et elle a perdu son boulot à cause de cela. Et on prévoyait une opération, on devrait l'opérer. On devait l'opérer. Et cette femme, elle est venue à la nuit de l'Exode. Et je pense qu'elle n'oubliera jamais ce qui s'est passé là-bas. Suivons un peu son témoignage ensemble. Et puis, voilà. Afin que tout le monde reconnaisse que notre Dieu est bon. Permettez-moi de déplacer un peu mon écran comme ça. Là. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ça c'est l'histoire que je suis en train de raconter, c'est une histoire sérieuse. Hein. Plusieurs fois, nous avons reçu des gens, que ce soit à Yaoundé ou bien à Douala, au Cameroun, avec des ordonnances venant de leur médecin. Ils sont venus avec l'ordonnance du docteur. C'est écrit, le papier écrit ordonnance du révérend prophète Ferdinand Kanere, ma ministre Michel. Voilà, cette femme, elle avait l'arthrose cervicale. On l'a déclarée inapte au travail. Elle est venue en une nuit et le Seigneur l'a restaurée. Et elle a pleuré, elle a pleuré.
à cause du bien, le bien que le Seigneur Jésus-Christ lui avait fait. Vous voyez. Et on a aussi une autre maman, une de nos mamans. Je vais dire merci à Dieu parce que ça a été une nuit extraordinaire pour moi. Voilà, on a aussi, on a vu cette maman à nous. Je ne sais pas si vous écoutez, si vous suivez bien. Voilà la maman, elle est venue avec la béquille. À l'Exodus Night, le Seigneur l'a délivrée de sa béquille. Même l'autre fois, j'étais ici, le Seigneur avait manifesté une grande grâce. Je pense l'onction de guérison est une grande bénédiction pour l'Église. Et l'Europe a besoin de cela. Les gens ont besoin d'expérimenter la puissance de Dieu de façon crue. Est-ce que vous suivez? Maintenant, on a l'histoire de cette dame qui est venue aussi à la nuit de l'Exode. Elle avait un monsieur avec qui il vivait depuis longtemps et le monsieur n'arrivait pas à concrétiser le mariage. Lorsqu'elle arrivait donc, elle voulait juste que je la rencontre, que je parle sur sa vie. Ouais, c'est ça en fait, le ministère des prophètes, il faut parler juste la parole. Seigneur, dis un mot, si tu dis un seul mot, si tu ouvres ta bouche. Et donc, elle dit qu'elle voulait juste, elle m'a suivi, je pense ici, elle m'a suivi aussi à Lille, elle m'a suivi, je pense aussi même en Belgique et à Bruxelles. C'est Bruxelles, oui. Et jusque-là, c'est là-bas, je pense qu'elle a eu une parole. Qu'elle a eu la parole. Le célibat a été brisé dans sa vie. 2 mois après, ou c'est 2 mois, 1 mois après, elle s'est mariée. Suivons un peu la puissance de la parole, de la prophétie. Waouh, ça c'est extraordinaire. Vous voyez, elle voulait juste une parole prophétique parce que le diable combattait son mariage et le diable ne voulait pas qu'elle connaisse le bonheur du mariage.
Et donc, elle dit qu'elle m'a suivi partout. Ouais, c'est ça aussi la foi. Elle m'a suivi partout. Elle voulait juste une parole. Et quand je l'ai rencontrée, je l'ai juste saluée par l'Esprit de Jésus-Christ. Et je lui ai annoncé que cette fois-ci, ce mariage ne sera pas reporté. Et c'est ce qui s'est passé. Un mois après, ils ont célébré le mariage. Le démon de célibat qui empêchait le mariage dans sa vie a été chassé. Et immédiatement, elle a pu se marier. Aujourd'hui, elle porte le nom de quelqu'un. Ouais. Donc, c'est ça aussi la parole de la prophétie. C'est la délivrance. C'est ça que j'ai l'habitude de dire qu'un prophète, ce n'est pas seulement celui qui annonce et qui dit que non, ton père s'appelle comme ça, bien non. Il porte la délivrance. Il porte la délivrance. Ouais. Et je bénis Dieu parce que la salle de la lune d'or était pleine à craquer. Ça aussi, c'est un grand signe de confiance, en fait. Ouais. C'est un grand signe de confiance. Il y a tellement eu des témoignages pendant cette nuit et de guérison que nous rendons grâce à Dieu. Donc maintenant, je voudrais. Je voudrais revenir sur. Comment on appelle ça? Pourquoi l'Europe a besoin d'un prophète? On a une jeune dame qui est venue avec son fiancé. Elle avait une boule à l'aisselle. La boule a disparu sur place, à l'église, devant tout le monde. Et son fiancé est venu confirmer cela. De ce genre de signe-là, vraiment, comment vous expliquez ça? Entre nous. Vous expliquez ça comment? Beaucoup de guérison, beaucoup de délivrance et de restauration. Et on rend grâce à Dieu pour ces choses-là. Donc maintenant, pourquoi est-ce que l'Europe a besoin d'un prophète ou des prophètes? Attendez un peu, permettez-moi un instant, parce qu'il faut comprendre ça. Je crois que je crois et merci à cette parole du docteur. Voilà. Donc, ça a été un moment extraordinaire, un moment de grâce, un moment de délivrance, de restauration, qui a été béni. Vous pouvez le dire en commentaire, tout simplement. On a tout vu la nuit-ci. On a une de mes filles au Cameroun, qui j'ai prophétisé le mariage, elle a eu son futur mari qui était là le 31. Il dit qu'il boit l'eau, ça va dans son pied. Et on a donné l'eau à boire devant tout le monde. Il a bu et rien ne s'est passé de mauvais. Voilà. Maintenant, il faut que vous compreniez que le ministère des prophètes, c'est un ministère de démonstration, d'esprit de force. Tout prophète appelé par Dieu a le pouvoir de Dieu avec lui. Il a le pouvoir de Dieu avec lui. Souvenez quand la Bible parle des deux témoins d'Apocalypse, la Bible dit qu'ils ont reçu de Dieu le pouvoir d'ouvrir le ciel. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ouais. Ils peuvent ouvrir le ciel comme ils peuvent fermer le ciel. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que même ceux qui sont assis, pendant qu'on proclame la parole de l'Éternel, on prophétise, on déclare, c'est même le plus grand moment de prophétie dans un mouvement prophétique. J'ai été béni, papa, ça c'est clair. Claire Eschler, Jean-Yves Bonnier, j'ai été sérieusement béni prophète. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dites-nous en commentaire hein, ce qui vous a, comment vous avez trouvé la nuit l'exode. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Mon papa très richement béni. Voilà, ça c'est Fino, c'est Fora qui le dit. C'est un magnifique prophète, gloire à Dieu. Là c'est Rosine Fotso. J'ai souhaité vous rencontrer, mais dommage. J'espère la prochaine fois. Là c'est Simone. Gabriel, oui, Simon Gabriel, il n'y a pas de problème. Quand je reviendrai, je recevrai les gens. Moi, j'ai été béni. Amen, c'est Georgette Marie. Moi, j'ai été béni abondamment. Alléluia, je lui rends grâce. Je lui rends grâce. Ça, c'est Nyomi qui dit cela. Moi, je suis venu, on dirait papa, et j'ai ressenti quelque chose. Amen. J'ai eu une grande paix dans mon cœur. Là, c'est Tongle qui le dit. Amen. Voilà. Donc, il faut savoir que. Quand vous venez à un programme comme celui-là, c'est-à-dire dans une atmosphère prophétique, les paroles qui sont déclarées, tu seras la tête et non la queue, je bénis ton année au nom de Jésus, ce sera une année de fertilité, tout ça. Ça, c'est alors le plus grand moment de prophétie.
on veut vous voir venir au Mali. Voilà, c'était extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est un moment où il ne faut pas jouer. C'est pour ça que je dis souvent que lorsqu'on fait les proclamations prophétiques et que tu es assis, c'est que tu ne comprends pas le mouvement de l'esprit, en fait. Vous voyez? Parce que le ministère des prophètes se révèle avec plusieurs tuniques. C'est la prophétie ne sort pas seulement quand on t'appelle pour te dire que, ah, il y a quelque chose comme ça. Voilà, ton père comme ça, tu avais un ami qui s'appelait comme ça. Ça, c'est un pan du prophétique. Lorsqu'un prophète se met debout, il commence à proclamer des décrets prophétiques. C'est très redoutable, mes amis. C'est très puissant. C'est le moment où le peuple est arrosé par la parole de la prophétie. Ce genre de moment, on ne le reçoit pas étant assis. Tu dois être debout. Tu dis Amen, tu le reçois debout, tu lèves tes mains vers Dieu. Tu dis Seigneur, je reçois ce que ton serviteur dit, ce que tu dis par la bouche de ton serviteur. De ça, il faut savoir que voilà un peu comment ça se passe. Et comme j'ai expliqué, vous savez que ici en Europe, l'Europe a besoin d'un grand mouvement prophétique. Maintenant, le ministère des prophètes aussi se manifeste dans la guérison. Les gens ne comprennent pas souvent ça. Dans la guérison aussi. Dans la guérison, dans le jugement, dans la consolation. Un prophète peut aussi apporter une parole de réconfort. Papa, tout le monde a été abondamment béni, richement béni. Amen. Donc, l'Europe a besoin. Et Seigneur, merci pour ta gloire. L'Europe a besoin de ça. Vous voyez qu'on prie sur place. Il y a une maman qui est venue avec les chaises qu'on pousse là. Là, c'est Nzigui. Zigir, Marceline, qui dit, j'étais très béni, papa. C'est le plus beau réveillon de ma vie. Waouh, ça c'est extraordinaire, ça. Donc, la maman est venue avec les roulettes là-haut. On s'appuie pour marcher. Jésus qui était là-bas avec la paix du cœur. Là, c'est Odegas qui le dit. Et donc, cette maman-là, je l'avais vue. J'étais à l'hôtel. Et elle poussait ça comme ça là. Et elle m'a regardé. Elle a souri. Elle a souri. Et son sourire m'a touché, m'a fendu le cœur. Quand je l'ai vu sourire, j'ai donc dit à moi-même que la maman aussi, même s'il y a quoi, quand je vais revenir là, je vais prier sur elle. Et c'est comme ça que quand je suis revenu, j'ai demandé qu'on me l'amène. Et elle est venue. Lorsqu'elle est arrivée, oh, le Seigneur lui a fait grâce. Je me suis assis sur une chaise. Voilà, c'est ça ici. Oh là là. Attendez, on va suivre un peu ça ensemble, s'il vous plaît. Oui, quand je me repose, quand je me fatigue, je dois me reposer. Oui. Je ne tiens pas debout. OK. J'ai eu un problème de santé très grave. Je ne sais pas si tout le monde entend. Je pense à toi. Non, écoutez, je vous vois mieux, c'est la moindre des choses, OK? Mon humilité, parfois, même les gens. À la dérive, c'est ça. Quand tu es un bien, on se fâche. Quand tu es un bon, on se fâche toujours. On te menace. Amen. Ok, maman. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Oui. Croyez qu'il peut vous guérir? Pour ça, j'ai fait tout le voyage depuis Londres. Depuis? Je viens de Londres. De Londres? Oui. Et j'ai eu la chance de venir vendredi. Parce que hier, tous les trains ont été annulés. Il y avait inondation dans le tunnel. Et ça a commencé avec nous. On a conduit 3 heures. Et on nous a fait passer le vendredi, mais hier, il n'y avait pas de train. Vous êtes de Londres. Oui, j'habite à Londres. United Kingdom, London. No problem. No problem. Elle vient de Londres. Et qu'est-ce que l'hôpital a dit? C'est un peu grave. Je ne veux pas que les gens, tout le monde sache. Il n'y a aucun problème. L'hôpital a dit que c'est grave, c'est ça? C'est grave. Okay. Est-ce que vous pensez que c'est grave pour Jésus-Christ? Non. C'est pas grave pour Jésus? Non. Vous croyez en ça? Oui. On va faire un exercice maintenant. Vous allez retourner à Londres et vous verrez ce qui va se passer. Donnez-moi une chaise. Une chaise. De service. Au moment de ma retraite, je rentre du travail la nuit. Je ne me sens pas bien. Je dis à mon fils d'appeler l'ambulance.
ambulance arrive, il regarde mes parents, il dit c'est non, c'est pas bon. Il m'amène et je faisais une grave attaque. Et depuis là, ma mobilité est partie. D'accord. J'ai pris ma retraite en même temps. Ok, vous avez suivi. Elle a fait une attaque et sa mobilité est partie. Tout ça, c'est parti, tout ça. Vous savez. Seigneur, je t'en prie au nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Que maman retourne à Londres et t'en rétablis. Dans le nom souverain de Jésus. Père au nom de Jésus. Que la grâce qui est urgente soit sur cette chaise maintenant. Qu'elle soit libérée. Ta gloire vient. Ta gloire vient. Ta gloire vient.
Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. Voilà, c'est ici que vous comprenez pourquoi la Bible dit souvent, car je veille sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Donc cette parole-là n'est pas seulement sur le plan de l'annonce des événements, mais aussi pour la guérison. C'est-à-dire que si vous êtes malade et que vous croisez un prophète qui est appelé par Dieu et qu'il déclare, et que vous avez la foi, la chose arrivera. Ça, c'est le pouvoir que Dieu a donné au prophète. Vous voyez, elle est venue de Londres, en fait, avec le pacemaker, et puis paralysée, ne pouvant pas marcher sans sa chaise. Vous l'avez vu marcher, sourire. Le Seigneur lui a rendu le sourire. Et il n'y a pas un plus beau cadeau, une plus grande récompense pour un homme de Dieu comme moi que de voir les familles être restaurées. Mais il y a beaucoup d'autres histoires comme ça. Il y a une maman qui était aussi là, qui était paralysée. Le Seigneur l'a fait marcher. Mais à la conférence des partenaires aussi, la main de Dieu s'est manifestée puissamment au milieu de nous. Lorsque j'ai enseigné sur la loi du haut des Comenon, et nous avons vu la fidélité du Seigneur Jésus-Christ se manifester là-bas aussi. Et Dieu, l'Esprit de Dieu s'est déployé dans le prophétique. Avec une maman qui est venue, on a tiré 6 balles contre son fils. 6 balles, 6 balles, pam, 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 pam. 6 balles. Donc, je vais dire quoi? L'Europe a besoin de la parole de puissance. Regardons cette femme qui est venue avec ces deux béquilles. Regardons ça après, je vais revenir sur le thème. Excusez un peu la qualité de l'image là. De la connexion. Démon de paralysie, démon d'infirmité, je t'entends au nom de Jésus-Christ. Sors dans le nom souverain de Dieu. Je déclare la santé et la vie dans ses pieds. La santé et la vie. La santé et la vie au nom de Jésus. Voilà, cette maman, elle est venue paralysée avec ses deux béquilles. Avec deux béquilles, le Seigneur l'a guérie immédiatement. Le Seigneur l'a restaurée. Elle est rentrée chez elle sans béquille. Elle a marché devant tout le monde. Elle est retournée sans béquille. Donc, je pense que l'Europe
a besoin de cela. Voilà ce dont l'Europe a besoin. L'Europe, il y a un vent de réveil qui est en train de souffler sur cette nation. Attendez. Attendez, laissez-moi vous montrer quelque chose. La dame qui était là. Vous voyez, la voici. Elle va passer là tout à l'heure. Vous allez la voir passer. Emmanuel est là, ici, présent, avec nous. Emmanuel est là. Oh, le Dieu des impossibilités. Attendez, vous allez voir la dame la passer tout à l'heure. La voici. Celle qui avait les deux béquilles, vous voyez. Depuis, elle ne veut plus s'asseoir. La voilà. Waouh. Elle est partie, hein? Elle est partie. Donc c'est pour cela que je dis que notre beau pays ici, l'Europe ici, attendez. Attendez. La voilà là-bas. La voilà, on va la montrer en train de marcher. Hein. La voilà là-bas. Elle ne veut plus s'asseoir en fait. Elle est tellement dépassée. Elle se dit, waouh, longtemps je n'ai pas pu marcher. Aujourd'hui je veux profiter à fond de mes pieds. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ a apporté la délivrance et le repos dans la vie de cette femme. Comment ne pas aimer Jésus, mes amis? Comment ne pas le servir? Donc, cette nation, ce continent a besoin d'un grand réveil prophétique. Et Dieu manifestera sa grandeur. Et comme j'ai eu à le dire, il y aura un mouvement prophétique redoutable dans cette partie-ci du monde. Et l'année-ci, je pense que je pourrais être ici par la grâce de Dieu tous les mois, bien tous les deux mois. Pour avoir au moins une nuit de prière, une nuit de prière, avec le peuple de Dieu venant de partout. Et je pense que les gens, il y a quelqu'un qui dit, prophète, je ressens comme une plénitude depuis le 31 décembre, lors de la conférence des partenaires, vous nous avez bénis. Vous avez béni mon époux et moi, vous nous trouviez beaux. Oui, trop de beaux couples ici. Exodus Night, un moment inoubliable. C'est la première fois que je vais à la rencontre d'un prophète de Dieu. Oh, c'est beau ça. Je rends grâce au Seigneur Jésus. Amen, ça c'est bien. Tellement les témoignages sont nombreux là, vous voyez. Donc, je serai là tous les mois par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Cette année-ci. Ou alors si c'est trop fort sur moi, je serai là tous les deux mois. Mais en tout cas, il faut par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que ce pays et d'autres pays. Je serai en Belgique. Je serai en Belgique. Je pense que quand je viendrai en fin février, mars, là, je tiendrai deux programmes. Je tiendrai un programme ici en France et je vais tenir un autre en Belgique par la grâce du Seigneur Jésus. Après cela, on ira en Suisse, on ira en Allemagne, on ira en Guadeloupe, partout. Beaucoup de pays seront visités. Donc, je ne serai pas concentré seulement sur la France. Donc, Dieu se manifestera parce qu'il est bon, mes amis. Sa fidélité est notre bouclier. Donc, bien-aimés, restons attachés au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a bénis pendant ce 31 décembre nous bénira encore davantage. Et maintenant, nous allons nous concentrer pour le mois de février, fin février, début mars. Je ferai un tour à Paris, je ferai un tour en Belgique. Voilà, on va faire comme ça. La deuxième fois, je viendrai, on va toucher Paris, on va toucher un autre pays par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Il y aura une grande invasion, un grand mouvement prophétique. Un grand mouvement prophétique en cette année 2024. Donc nous serons aussi en Martinique. Oui, d'accord. Là, c'est Liline Alia qui dit la Martinique. D'accord, sans problème. Priez. Nous serons en Martinique. Il n'y a pas de problème. Partout, le vent de l'esprit m'enverra, je viendrai. Papa sera en Guadeloupe. Oui, bien sûr. Alors que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que sa faveur soit sur vous. Passons une très belle nuit et le Seigneur fera le reste. Voilà, donc,
Ces derniers temps-ci, je pense que le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et nous restons dans sa présence, dans son amour. Votre année 2024 est bénie au nom de Jésus. Le Seigneur vous accordera au-delà de ce que vous demandez, expérimenterez. Dieu vous fera goûter à sa gloire telle que vous ne l'avez jamais goûtée. Je vous souhaite une très belle soirée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bye. Shalom.